Bienvenue au Café littéraire. Virginie, nous allons commencer par vous ce soir. Vous focalisez donc sur la transmission de l'histoire du génocide des Tutsis à travers des instruments pédagogiques. Je voudrais commencer par vous personnellement. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser plus particulièrement au génocide des Tutsis ? Entre 2003 et 2012, j'ai commencé à enseigner la littérature au lycée. Et puis ensuite, j'ai été formatrice en didactique de la littérature. Et parallèlement, j'ai commencé une thèse dont vous avez parlé, notamment sur les œuvres du Fest Africa. Et je m'intéressais dans ce travail au rapport que peuvent avoir les œuvres littéraires à la médiatisation, à la masse médiatisation même du génocide des Tutsis, parce que comme beaucoup d'étrangers, je l'ai découvert par la télévision. Je n'ai rien compris et j'ai compris en les lisant que je n'avais précisément vraiment rien compris. Donc je leur dois beaucoup pour m'avoir ouvert les yeux et m'avoir donné envie de creuser davantage cette question. Ce qui m'a poussé vraiment à m'engager à écrire sur le génocide, c'est plutôt ce que les journalistes italiens à l'époque racontaient sur ce drame. Parce qu'ils disaient que c'était la guerre entre les Hutus et les Tutsis, c'était la guerre entre les courts et les longs, c'était la guerre entre les Bantous et les Hamites, les agriculteurs et les pasteurs, des absurdités qui m'ont révolté. Donc, j'ai, par réaction, par révolte, écrit un petit essai sous forme d'entretien, le génocide est aussi expliqué à l'étranger. Voilà donc, à la lumière de mes connaissances historiques, sociologiques, psychologiques, j'ai essayé d'expliquer à quelqu'un justement qui n'en savait rien comment on est arrivé là. Parce que le génocide, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui naît d'une idéologie raciste. Et cette idéologie raciste était justement anti-Tutsi essentiellement. Et donc le génocide n'a été que le fruit d'une idéologie qui a été enseignée pendant plus de 30 ans, qui était diffusée à travers les chansons du parti au pouvoir depuis 59. La seule chose qui puisse donner un sens à ce que nous faisons, c'est la paraphrase de l'histoire. C'est-à-dire si nous arrivons en disant nous allons usurper la langue du colonisateur pour raconter notre histoire, alors là, nous pouvons donner un sens à ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce n'est pas pour écrire, parce que ça n'aurait pas de sens, écrire pour écrire. Solidarité, briser le silence, la chape de silence qui a entouré cette tragédie, qui est une tragédie non seulement rwandaise, mais africaine et au-delà de cela, universelle, mondiale. Donc, pour en revenir à cette mémoire, parce que c'est une mémoire douloureuse, les jeunes qui ont fait cette représentation nous ont posé cette question. Pourquoi leur faire porter ce fardeau de cette mémoire douloureuse ? Évidemment, il faut que la flamme reste allumée. Et ce sont les porte-flambeaux de demain. Donc, si on ne leur transmet pas cette mémoire douloureuse, justement, ce qui s'est fait risque de se refaire. Nous devons toujours rappeler. Oublier est une faute. Il a été possible que cela arrive, il reste possible que cela arrive de nouveau, chaque minute. Seule la connaissance de qui est arrivé peut l'empêcher de se reproduire. Les jeunes doivent savoir ce qui est arrivé à leur peuple, à leur pays, à leurs parents, à leurs frères, etc. Pour que, justement, ça ne se reproduise plus. C'est ça, en fait, le devoir de mémoire. C'est un problème qui concerne leur avenir, comme l'a dit Jean-Marie, mais aussi leur présent. Au sens où, dans ce monde de crispation identitaire dans lequel on vit, ce monde qui érige des barrières, des murs en permanence, eh bien, il est fondamental, en fait, que les jeunes comprennent que ce monde dans lequel on est, qui est un monde qui assigne des identités en permanence à l'autre, qui invente toujours une définition de l'autre, eh bien, c'est ce monde-là qui sécrète
le génocide et qu'il y a un lien direct entre ces deux choses. Et l'un des risques majeurs, pour répondre alors maintenant au pourquoi et aussi au comment, l'un des risques majeurs lorsqu'on travaille avec des jeunes qui sont éloignés sur ces questions, c'est le risque de la banalisation. C'est-à-dire, il y a un premier risque qui est de dire, ben, c'est normal que ça arrive, c'est en Afrique. C'est peut-être odieux ce que je dis, bien évidemment, mais c'est une chose à laquelle on est confronté. Et du coup, il va falloir bien évidemment déconstruire ces représentations-là. Il va falloir montrer la singularité de cet événement aussi. Et du coup, le pourquoi rejoint nécessairement le comment, au sens où je suis profondément persuadée qu'il y a des supports qui peuvent aider à comprendre la singularité de cet événement, des supports qui d'abord permettent de faire comprendre aux jeunes que c'est un événement qui s'inscrit dans le temps long, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des romans qui, bien évidemment, montrent, depuis la colonisation, cette fabrique de l'ethnie, cette instrumentalisation de l'ethnie, qu'il y a eu des massacres avant 1994, qui y font référence, etc. Mais il me semble aussi qu'il est fondamental que ces supports par lesquels on passe mettent véritablement les jeunes en action face à leur savoir. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de support magique, il n'y a pas de manuel magique, etc. Je pense simplement que des œuvres qui, d'une part, si elles sont fictionnelles, ne cherche pas à parler à la place des témoins, à la place des rescapés, c'est-à-dire ne cherche pas à figurer ce qui s'est passé, sont importantes, c'est-à-dire que je pense profondément que ce sont les œuvres qui suggèrent en fait le génocide, qui nous permettent de mieux travailler sur les représentations que peuvent avoir parfois préconçues les jeunes que l'on a dans nos classes. Le Rwanda a repris en main son destin et vous voyez cette beauté que nous rencontrons. Qui ne me dément pas dans ce qu'il y a dans la falaise. Ça veut dire qu'il faut se redresser, les hommes, les femmes sont debout et nous assistons au miracle. C'est un peu ça. Comment essuyer des larmes de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu? Comment leur raconter ce vide même dont ils ne savent pas comment appréhender? Est-ce que l'art y est pour que, enfin, est-ce que c'est un recours à l'art ou à la culture qui est nécessaire? Ça exprime la résilience. Et un de mes acteurs a fait un poème aussi qui s'appelle Résilience. Il a dit Résilience is made in Rwanda. Donc c'est vraiment le Rwanda, c'est l'incarnation de la résilience. Donc le Rwanda est l'exemple. Si beaucoup de gens maintenant, quand ils te posent la question, ils te disent de d'où venez-vous? Et tu dis, je viens du Rwanda. Maintenant, ils disent, ah, le beau pays. Donc, c'est le Rwanda, maintenant, c'est l'exemple. Tout le monde voudrait être rwandais maintenant. Alors qu'en 1994, on avait honte d'être rwandais. J'en ai parlé, par exemple, dans mon livre dernier, que j'étais sorti dernièrement. Pas dernièrement, non, il y a 2 ans. Les identités lourdes à porter. Je montrais, par exemple, comment il n'y a pas. Il y a 25 ans, justement. Beaucoup de pays dans la diaspora, justement, les Rwandais avaient honte d'être Rwandais. Parce que quand on disait qu'on venait d'ici, on t'appelait sauvage, barbare, cruel, etc. Et moi-même, quand j'arrive ici, je compare. Il y a 12 ans, quand j'étais ici, je vois des changements positifs. C'est miraculeux. Et c'est ça, vraiment, la résilience du peuple rwandais que nous avons dans les gènes. C'est ça. Est-ce que pour les générations futures, qu'aimeriez-vous voir par rapport à ça? Parce que le thème était la transmission aux générations futures. Je crois que chacun de nous, c'est parce qu'on s'est libéré en fait de l'idée qu'on a des devoirs. On a oublié ce que les Sud-Africains appellent l'Ubuntu. En fait, chacun n'existe que parce que les autres existent. Et dans toutes nos sociétés, dans toutes nos communautés, on a fonctionné comme ça jusqu'à un moment donné, jusqu'à ce que finalement le système avec ses stratégies ambiantes nous a rendus tous très individualistes et par la suite nihilistes. Et même maintenant,
n'y a plus de règles, en fait. Il n'y a plus de règles. Et puis voilà, nous sommes laissés à nous-mêmes. Et c'est cela le drame. Sinon, on a un devoir, chacun de nous a un devoir vis-à-vis de sa progéniture. C'est comme ça, en fait. Bonsoir, je m'appelle Rurangu Murisaneli et j'étudie la psychologie clinique à l'Université du Rwanda. Et ma question, on a parlé de la transmission de la mémoire et je me dis que ça doit commencer un peu tôt. Et je me demande maintenant comment raconter cette histoire à un enfant. Est-ce qu'il y a des œuvres appropriées pour les enfants? Et sinon, comment maintenant, voilà, comment adresser ce problème? Bon, actuellement, il y a les jeunes regardent la télévision, YouTube, etc. Est-ce qu'il faut revenir au conte qu'on racontait aux enfants lors d'éveiller autour du feu? Parce que ces contes-là contenaient justement des leçons, de morale. Et c'est à travers ces contes, à travers ces fables, qu'on fustigeait le mal et qu'on valorisait les valeurs de cohabitation, de solidarité, d'humanité, si vous voulez. Alors, maintenant, évidemment, on a évolué, on ne va plus se réunir autour du foyer. On peut, par exemple, justement, recommander aux jeunes, enseigner dans les classes ces textes. On peut même les créer. En plus des contes que nous avons dans notre littérature, on peut créer des histoires où on met justement en scène des personnages mauvais, des personnages bons, où justement on met en exergue des valeurs positives de la société qui caractérisent la société rwandaise.